Regardez combien ça coule sous entrailles nous, sous conscience nous. Combien monde nous fait souffrir, combien monde nous fait méchanceté, combien monde nous senti ça n'a fait là ces méchanceté. Et gende monde même si justice ta ba ou privilège pour héroe monde ça été fait. En fonction des héros là, on va faire le pays héros là. Puis il fait le pays là avec conscience. Tu fais le mal, fais le bien. Et nous pas de peur nous-mêmes puisque mission nous c'est pour nous informer aux amis auditeurs et c'est ça qui expliquait en dépit de situation côté nous toutes exposées nous obligés à armer nous courage pour nous capables là avec ou chaque matin pour continuer informer donc n'a prêté positif guerrier m'a envie dit n'a continué faire bien hein, oui, genre ou toujours introduit et réflexion bon c'est à matin t'es invité à réfléchir sur comportement nous Zach Nouyo, mais moi, lis tout, Bob, c'est de commentaires hein, pendant tout week-end suite à la mort de Serigo Chabrak, qui montrait Haïtien vraiment perdu humanité, yo, puisque nous lis de commentaires côté ouais de monde qui a souhaité l'autre aller dans le coronavirus. Là. En tout cas, moi, je crois que c'est pas le moment, hein, puisque coronavirus, là, j'en l'ai développé là, nous tout exposé, nous tout capral. La mort suite à COVID-19 là, et puis plusieurs cas qui testaient positifs sous territoire national a provoqué une panique totale en mi-temps population. Divers citoyens, Radio Caraïbes posait question, fait qu'on est un pays à pas parler pour faire face à deux nouveaux variants. Ministère de Santé publique et population dit détecté sous territoire national. Là, citoyens, ça y est. Reprocher autorité yo qui pa prend aucune disposition pour créer nouvelle infrastructure sanitaire pour river faire face à petit sanitaire pour river faire face à pandémie ça et rebondissement pandémie en poussant pile citoyens continuent à exiger explication sur l'argent qui était débloqué pour état d'urgence sanitaire qui était décrété l'année passée à reportage régional Rémy. France Vert est mourir suite à quelques complications qu'il y a maladie Corona. Emmanuel Sanan mourit suite à quelques complications COVID-19. Il y a levé à qui une nouvelle stress. Fois ça, c'est pas kidnapping, mais plutôt coronavirus. Dans les médias, sur les réseaux sociaux, dossier ça occupé première place. Dans la RIA, pratique côté masse là, retourner dans le quotidien population. Je l'ai dit 24 mai 2021, en pile monde levé masqué. L'homme ancien directeur général ONA, Chesnel Pierre, DG Collège Excelsior. Avec plusieurs monde qui testaient positif provoqué en panique totale. Deux variants pour nous répéter ministère santé publique qui en Haïti ont déjà fait un pile ravage dans le monde là. Présence virus ça sur territoire national là capable de gros conséquences. C'est peut-être ça citoyens plaider en faveur application geste barrière. Laver mains yo, pas négliger cacher yo. Respecter principe d'hygiène là, c'est pour toujours laver mains yo. Nous sommes peuple tout qui prêt, toujours rétiter nous. Panique virus là la gagne dans pays a été capable éviter d'après ça citoyen ça au fait qu'on est il avancé plusieurs exemples qui prouvaient négligence autorité par rapport à pandémie mondiale ça dans le gouvernement dans l'état qu'on pense bleu baissé ou pas de monde si n'ta considéré rebondissement ça tant qu'on deuxième vague question qui toujours posé qui côté l'argent était bail pour corona a passé l'hôpital pas construit infrastructure sanitaire pas renforcé au contraire yo même doit certains employés qui te travaillent bien peut-être pour gagner l'autre l'argent état d'urgence qui pral débloquer pour faciliter un autre petit groupe vin millionnaire mais nouveau millionnaire à qui ça s'est servi l'en considéré avec l'agence ça la sécurité sanitaire pays a été capable de renforcer pour journée jeudi à l'hôpital n'y a pas en mesi pour faire face à pandémie si zokal t'a propagé à même vitesse la propagé dans notre pays yo. Deuxième vague ça peut-être offrir une autre chance pour autorité ou t'apprend conscience Haïti c'est pour nous toutes faut que suspend gagoter l'argent traiter tant qu'un pays des riches parce que si bateau a coulé tout monde a péri d'ailleurs corona a pas respecté pepap il est épidémie a frappé yo pap même gétan voyager et yo pap jeune tout bon Jean l'hôpital pour prendre soin kayo mérité Reginald Rémy Caraïbe FM. Merci en pile Reginald Rémy nous vos vagues coronavirus là dans pays d'Haïti gouvernement décrété état d'urgence sanitaire sur tout territoire national là pas d'attendre ça dans institution publique yo employé yo a fonctionné côté pas gain aucun geste barrière qui est respecté employé yo a passé qu'il est sans yo pas mettre masse pas gain aucune disposition qui prend pour monde laver main pour lutter contre propagation maladie hein. Et toutefois dans certains l'autre gagnait quelques principes sanitaires qui a essayé et respecté
d'après constat Peterson Luxama. La file d'attente est longue. Des contribuables se positionnent, arborant leurs masques de protection exigibles à l'entrée de la Direction générale des impôts ce lundi 24 mai 2021. Situation sanitaire oblige. Sur la cour de la DGI, des dispositifs de lavage des mains sont installés. Cependant, ils sont rares les employés et contribuables qui pratiquent ce geste, avons-nous constaté. Dans ce remue-ménage, la distanciation physique également est une utopie. Pour cet employé rencontré dans l'espace, la nonchalance des dirigeants est à la base de ce mépris. Déjà, on dit que nous avons aimé pour arranger ça pour nous et puis pour nous continuer à écarter une autre. Bon, on est supposé respecter parce que la maladie a dit, on a fait un peu de dégâts parce qu'il faut qu'on prenne des précautions. Et qu'il faut respecter les principes. Haïti connaît une nouvelle vague de contamination au Covid-19 depuis quelques semaines. Dans un arrêté décrétant un état d'urgence pour une durée de 8 jours, l'équipe au pouvoir invite au respect des gestes barrières pour endiguer la propagation du virus. Au ministère de la Justice et de la Sécurité publique, personne semble n'avoir encore lu cet arrêté. Sur la cour, des citoyens circulent sans masque de protection. De l'entrée principale jusqu'au bureau du ministre, aucun dispositif de lavage des mains n'est remarqué. Maintenant, parler de ça là. Azo, pas de masque là. Mais ça, mon ministre, on peut faire ou pas là. Ça, on va la faire. Pas de masque. Moi, c'est le matin, je mets ça tout à fait. C'est moi, c'est pas mon cachet. Bah, un bloc et puis, bah, la vente. Bon, même si ça n'a pas de là, c'est de marcher pour ça qu'on peut aller là. Ici, on s'en remet plutôt à la Providence. Un agent de sécurité affecté à l'espace nous dit, d'une foi inébranlable, que les yeux du bon Dieu sont sur Haïti. Pour lui, cette nouvelle vague dont parlent les autorités est une pure invention destinée à nous manipuler. À la Direction générale du budget, une entité du ministère de l'économie et des finances, située à moins d'une minute du ministère de la justice, le tableau est différent. On y trouve des fontaines d'eau chlorée et du savon. Impossible d'avoir accès à l'espace sans se laver les mains et sans masque de protection. Ronnie Clouman Jean-Baptiste est la directrice des ressources humaines de la DGB. Chaque fois la personne arrive, on lui demande d'aller se laver les mains avant d'entrer. Il y a de l'alcool aussi. On a quelqu'un pour ça, rien que pour ce travail-là. Et je dois vous dire que nous autres, ici à la Direction générale du budget, nous n'avons jamais baissé les bras. Pourtant, juste en face, c'est une autre réalité. Le ministère des Affaires sociales et du Travail fonctionne dans un monde sans Covid-19. Sans aucune mesure barrière, des contractuels et employés s'attroupent. Ils se donnent de la blague sans s'inquiéter. Une nouvelle fois, la lutte contre le Covid-19 en Haïti tombe dans le paradoxe et la confusion. Au sein même des différentes entités de l'État, les agents n'agissent pas encore proportionnellement aux dangers annoncés. Pour une population qui n'a aucune confiance au pouvoir en place, prêcher par l'exemple serait de bon aloi. En 3 jours, le Covid-19 a fait au moins 15 morts dans le pays, selon le ministère de la Santé publique. Haïti fait-elle face à une vague plus virulente de la pandémie qui a été très clémente envers elle l'an dernier? Peterson Luxama, Caraïbe FM. Merci un pile Peterson Luxama. Et nous souhaitons bon appétit avec auditrice qui dit depuis quelques jours, quel boucher, problème pays a monté dans Kelly, quel boucher il n'a pas qu'à manger guerrier. Matin, venir à manger midi, venir avec manger à souhait. Sous table, regardons où accident on fait. Pendant que vous bouchez, vous n'avez pas à manger. Bon Dieu, bon manger. Regardons qui était tout rencontré. Si moi, demain matin, j'étais tout. Et puis, dans la même zone, il y a un petit monde, gros trip, à baliti trip. Il y a un cap dormi. Il y a un travail. Donc, pendant que vous bouchez, bon Dieu, il faut grâce. Manger, monter sous manger sous table, que vous bouchez. Ou même, il y a un joint, ou pas à manger. Ou t'as de penser avec l'autre qui n'a pas à manger, qui n'a pas à joindre. Qui n'a entourage ou pas de jeter. Hein? Oui, si m'en a démangé, on fait gaspillage sur gaspillage. À cause que vous bouchez. Ou même c'est quand qui bouche, ou pas qu'à manger. Et vous ne savez où n'y a pas. Tout près là. Sous font-il enquête tout près là. M'a pas contre autorité. Ou pas dit qu'ils ont été. M'a garanti.
sous font ti virer on tout près là gen moun k'ap dormi sans manger. D'accord? État d'urgence sanitaire là doit commencer à appliquer depuis hier lundi 24 mai pour une période de 8 jours d'après ministre culture et communication après Adèle Henriques. De l'autre côté, ministre affaires sociales et travail là lui-même fait qu'on porte bureau ONA Pétionville là Aksayo qui dans Delma 17 après qui fermé rivé jouk demain mercredi 26 mai il y a bien pour désinfecter bureau ça yo et Total Capital. Marie Ghislaine mon premier annoncé tout personnel là a réduit jusqu'à 50% pendant état d'urgence sanitaire là. On côté Pradel Henriques avec Ghislaine mon premier, yo té dans micro collaboratrice nous Lydie Alexandre. Samedi après-midi, qui s'est passé, le gouvernement a fait au Conseil des ministres, que le Conseil des ministres à l'extraordinaire, et le Conseil des ministres a fait une décision déclarée état d'urgence. Lendemain, nous avons dit 1h07, m'a fait informer nous que nous recevons l'IG prestationnel à la fête de vous moi, officiellement, qu'il existe l'arrêté d'état d'urgence du fait sorti et d'application. Nous prévoir qu'une d'application aujourd'hui, lundi, avec une durée de 8 jours. Et donc désormais, le pays vit sous état d'urgence sanitaire. En tant que ministre, c'était l'ONA. Et que le directeur général là, de ce Chester-Dia, c'était le plus gros responsable qui gagnait dans l'ONA, c'est lui qui était responsable l'ONA. Nous sommes obligés de prendre mesure ça. Gagner celle centrale, l'ONA qui trouvait l'île Pétionville, avec annexe ONA qui trouvait l'Andelma, nous fermons pour 3 jours. Ça va dépendre de qui ça qui vient depuis devant pour nous connaître est-ce que nous allons augmenter ou bien l'ouvrir et l'ONA et l'entourage. Pour ça, nous demandons tout employé qui est dans deux bureaux salariés, ça veut dire bureau de l'ONA avec nos métiers, qui aurait été la caillou pendant 3 jours, ça, qui a commencé jeudi 24 mai 2021. Donc, il y a une disposition que nous prenons tout pour nous désinfecter systématiquement. Deux local sites qui commençaient depuis matin. Ensemble avec le directeur qui est dans ONA, on va travailler pour réduire le personnel là pendant toute durée période état d'urgence, comme le ministre de la Santé nous dit, si nous ne pouvons pas renouveler, pour que nous réduisions le personnel là à 50%, pour que la dissociation sociale soit respectée, et plus encore, toutes les barrières. Nous demandons que tout personnel, qui n'a pas respecté les barrières. C'est-à-dire, il n'y a pas mis en place prise de température ni pour les gens qui rentrent dans l'ONA, ni pour les gens qui travaillent dans l'ONA. Vous savez, que les gens qui viennent en service ou les gens qui travaillent dans l'ONA. Pour que gagner un point pour lavage des mains, et puis, comme arrêté à qui sont à dire que le port de masque est obligatoire. Et depuis tout le temps obligatoire, vous citez dans la question des mesures qui nous prennent, les sanctions tout qui accompagnent les mesures sales. Donc, la demande des ministres de la Santé publique, là, qui sont ces responsables, toute question de la santé en Namibie, pour qu'ils accompagnent nous, pour nous capables de faire des cas de dépistage dans l'institution locale. Là. Donc, les mesures sont obligées parce que ce sont des mesures conservatoires. Et que nous répétons qu'on nous a affirmé que Zéker Chester-Pierre a mouru avec coronavirus, mais quand même, puisqu'il était des symptômes apparents à coronavirus, là, nous prenons mesure ça pour protéger la population et pour protéger tout employé qui a travaillé dans l'ONA et pourquoi pas former les frères. En profiter, en tant que ministre condition femme à la femme, pour demander mesdames, qui c'est pour tout mettre en famille. Nous-mêmes, nous avons bousqué la vie dans la factory, dans la marché, dans le jardin, sous nos camions, dans le bureau. Mesdames, dans l'hôpital, parce que vous avez que dans l'hôpital, nous avons pile femmes qui travaillent comme infirmières, auxiliaires, médecins, personnel soutien, tout le monde en général. Pour qui ça, tout le monde va parler de l'éducation nationale, qui charge avec femmes-là, surtout au niveau primaire, comme professeur et comme scientifique, qui est en majorité dans le pays. Pour prendre précaution à ce virus-là, respecter toute consigne ministère de la Santé publique à la population, mettez là pour dire nous que pour nous respecter. Nous avons une première bataille l'année passée. Allez ça, continuez à prendre tout plaisir. De façon pour vivre la guerre. En nous tous ensemble, mettez main
pour nous déraciner pour la virus là dans le pays d'Haïti. Toujours dans ce qui a rapport avec le coronavirus, journal tout le pays sous Caraïbes FM, Rue Chavanne, Port-au-Prince. Il fait 6h avec 23 minutes dans le matin. Haïti, j'en ai tout connu, en bas à l'aide face avec le coronavirus. Là, côté gain, deux variants sauvages sous territoire national là, depuis 14 mai, d'après sa ministère Santé publique, à la population fait connaître. D'après responsable MSPPO, deux variants saillants qui sortent dans le pays Brésil, à Angleterre, plus passé 70%. Plus violent passé premier variant yo sorti 19 mars 2020 pour arriver 21 mai 2021 ministère santé publique ak population enregistré 14 037 cas positifs 292 cas en mort pour trois derniers jours sa yo responsable MSPPO recensé 302 cas qui confirmé 67 moun hospitalisé à 15 lotes qui faisel j'en te capable dire en bon créole là you fait voile pour pays sans chapeau. En suivions enrobé avec collaboratrice nous, Lydie Alexandre. C'est depuis le fin mois avril passé, le ministère de la Santé publique dit qu'il a constaté que le coronavirus a commencé à augmenter dans le pays. Ce qui veut dire, deux mois après le pays d'Haïti a organisé le carnaval national dans Port-au-Prince qui a réuni plusieurs milliers de monde. Pendant ce temps, le responsable MSPPO n'a pas de nécessité pour prendre aucune mesure jusqu'à ce que le calendrier commence à enregistrer. D'après responsable, le pays d'Haïti frappé en bas de nouveaux variants qui propageaient plus rapide et puis qui plus dangereux tout par ces versions virus année 2020. Pour preuve, calamoy augmenté à 0,13%, l'aile sorti dans 1,95% dans l'année 2020 pour le passer à 2,8% dans le mois de mai 2021. Deux variants sa yo se souche brésilien et anglais, sin ka kwa ministre santé publique là. Dans trois derniers jours sa yo, coronavirus la fait yon sel monté, 15 cas la mort confirmé d'après Marie-Greta Wa-Clément. D'après OPS OMS, on passe jusqu'à 70 à 120% plus transmissible de souche originale. Deuxième information, le site 21 mai, nous gagnons pour toute période de 19 mars à 21 mai, 14,37 cas positifs, 292 décès, pour un taux de létalité de 2,08%. Nombre de cas confirmés pour dernier 72 euros, c'est 302 cas, 67 hospitalisations, 13 décès pour les derniers 72 heures. Virus là attaqué dans trois derniers jours, ça y est, monde qui gagne pour plus petit 50 l'année. D'après Marie-Greta Wa-Clément qui informé, c'est 50% population jeune non qui trappe virus là pendant trois derniers jours, ça y est. C'est toujours département l'Ouest qui devant à quantité cas contamination yo, alors que département nord accent derrière. Delma et Pétionville, c'est deux communes dans l'Ouest qui enregistrent plus cas coronavirus d'après ministre santé publique là. Marie-Greta Wa-Clément souligne plus loin, c'est monde qui déjà gagne une maladie tant qu'au cycle attention pour ne citer ça yo seulement qui plus facile mourir les attraper coronavirus là. 75% du monde qui mourit dans les dernières 72 heures, c'est des monde de plus de 50 ans et qui gagne des comorbidités. Mais nous parlons de comorbidités, c'est monde qui va en Europe, qui va en pathologie, tant que par exemple, qui va prendre hypertension, un monde qui fait sucre. On a qui fait asthme, on a qui obèse, et puis des autres pathologies cardiaques, etc. Là, ils sont formés des comorbidités qui fait que nous savons beaucoup plus mourir que nous qui ont bonne santé apparente qui parviennent comorbidité. Donc, pour le nombre de cas, c'est le département de l'Ouest en première position avec 10 004 cas, le suivi du département du Nord avec 1171 cas, du centre 739 cas, et en quatrième position, l'Antibonite. Finalement, pays d'Haïti apparaît pour recevoir dans fin mois juin ou bien commencement mois juillet qui vini là 130 000 doses vaccin AstraZeneca, un vaccin qui fait en pile parler dans pays étranger à cause effet secondaire qui était kay patient qui prend lieu, sans compter monde qui mourit après yo fin recevoir dose ça. Même gen pays qui campait distribution vaccin ça la kayo. Ministre santé publique là profiter rappeler vaccin pas obligatoire, ça qui veut dire c'est monde qui veut qu'a prendre, même si dans décret l'état haïtien t'est déjà exigé monde qu'a prend vaccin pour yo signer pour yo pas poursuivre la justice si en cas yo ta gagne une complication. Et qui fait une initiative pour acheter vaccin pour faire payer pour le cadeau.
Dans toute formule que nous avons entreprise, bien sûr, le profil permanent. Le profil permanent, c'est une chose qui est très très importante. Le profil permanent, c'est comment on peut servir le vaccin. Donc là, nous avons entreprise, questionner toute question qui avait le cas posé sur ça, le choix du vaccin. À partir du profil, c'est un vaccin AstraZeneca. Donc on est au courant qu'à un certain moment, juive aux différents effets secondaires qui avaient, le ministère a été pris l'initiative de Vax pour demander l'initiative de remplacer vaccin AstraZeneca par un autre vaccin qui a moins d'effets secondaires et qui peut aussi correspondre au profil de conservation du champ de froid que Pierre a déjà donné. Nous avons souvent les pensées quand on dit qu'actuellement, le basket d'initiative pour vaccin à l'époque de recevoir les pensées, c'est seulement vaccin AstraZeneca qui était donné. Qui côté patient zéro qui présente signe variant sa yo sorti? Nous pouvons gagner réponse ça. Mais gouvernement, dans loi sur état d'urgence sanitaire li publié, li rappelé li obligatoire pour mettre masque et puis décréter état d'urgence à couvre-feu qui commençait sur territoire à partir 10h à soir pour bout 5h matin. N'a pas rappelé en pile l'autre pays dans Caraïbes là tant pour Bahamas interdit pour haïtiens rentrer sur territoire à cause irresponsabilité pouvoir qui était organisé carnaval pour faire tête au plaisir dans mitan yon pandémie. Lydie Alexandre, Caraïbe FM. Et comment situation présentée dans l'école yo, Lydie Alexandre, dans l'école publique yo ayen, non pas remarqué disposition au ministère éducation nationale annoncé ou peut-être li trop bonheur, mais hier dans la rue en devant principale l'école sa yo, nous pas vraiment remarqué timoun yo te gagné cache-né dans moment yo t'a quitté porte l'école yo qui a prêté l'ouvri d'après ministère éducation nationale la formation professionnel là Pierre Josué Agénor Cadet qui fait connaître Abgain un protocole sanitaire dans établissement Sayo pour protéger écolier yo fait connaître directeur départemental yo pourquoi elle est là il y a instruction pour visiter différents établissements dans pays pour faire protocole sanitaire appliqué pendant le fait connaître calendrier examen officiel là toujours Kimbé sorti 12 pour arriver 30 juillet, Cap Vénéland, côté ministre éducation nationale, là, Pierre Josué Agénor. Dans la conférence pour la presse, plusieurs ministres du gouvernement ont été baillés ailleurs. L'éthénamico Lydie Alexandre. Dès le début, le ministère de l'éducation nationale, avec le ministère de la Santé, ont mis ensemble un nouveau protocole sanitaire dans l'école. Nous avons appris